Melun Villaroche. Roland, ne forcez pas. Respectez les consignes. Merci, monsieur. Ça se pilote avec deux doigts. Quand l'avion est beau, il vole bien. Félicitations. Bravo, monsieur Dassault. Encore bravo. Merci. 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 Allez, allons fêter ça. Roland, suivez-nous, hein. J'arrive. Allez, venez. Hop, hop, hop. Champagne. Marcel ! Marcel, on a un pépin. Avec l'avion ? Mais non. Les gens du ministère sont sur le cul. La première commande va tomber plus vite que prévu. Le général de Gaulle, en personne, suit les essais. Et alors ? Des types espionnels volent d'essais. Non, sérieux, Marcel ? Des espions. Frank, was it a shoot to kill? Really? Harry, I was stupid. I should have stopped to ask him. I don't get it. You really think the French are after us like at Pearl Harbor? Pas que je sache, Mike. Les Français sont nos alliés.
So why do we give a fuck about their planes? Mike, as-tu vu un seul film français? Un seul? You gotta be joking. Voilà, parce que le cinéma... It's us. Voilà. Eh bien, l'aviation, c'est la même chose. Civil ou militaire, les avions, c'est nous. Enfin, c'était nous. Parce que ce petit Marcel Dassault est en train de nous piquer beaucoup de marchés. Son fils Serge vient de conclure un accord avec les Australiens. C'était nos clients. Nous avons 6 mois pour découvrir comment ce Dassault s'y prend pour construire des avions meilleurs que les nôtres. La commande vient du président des États-Unis en personne. The president himself. Paris, here we come. À partir de maintenant, on parle français. Vous avez été sélectionné parce que vous avez un français impeccable. Nous reprendrons la langue de New York quand on sera rentré à la maison. Mais avant de vous retrouver à Paris, j'ai un petit document à vous montrer. Regardez. Un petit film de propagande tourné par les Français pendant la Première Guerre mondiale. En 1915, exactement. C'est Dassault. À l'époque, il s'appelle Bloch. Il a 23 ans. Toute la France s'ingénie à fournir à nos soldats le meilleur matériel pour écraser le Boche. Ce jeune sous-lieutenant, frais et moulu de l'école supérieure d'aéronautique, vient présenter à Georges Guinmer, l'as des as français, que nous voyons ici accompagné de sa ravissante marraine de guerre, la comédienne Yvonne Printemps, une hélice révolutionnaire qui va sans nul doute contribuer à débarrasser notre beau ciel de France des derniers boches qui l'enlaidissent encore. Pour trouver, il faut savoir à qui on a affaire. Ce Dassault a un putain coup de crayon. Et il a un vice. Il passe son temps à dessiner des avions. Six mois à Paris. 3 des meilleurs agents de la CIA. J'ai confiance en l'espionnage industriel, mais là, j'y crois pas. Quelle est la mission de la CIA? Détecter les éléments ennemis. Parfait. Eh bien, Dassault est un putain d'agent soviétique. Harry, c'est l'homme le plus riche de France. C'est lui qui construit la défense de son pays. C'est un patriote. Et alors? Quelle meilleure couverture pour un agent du KGB? Tu sais ce que c'est? L'Humanité? Le quotidien du Parti communiste français. Chaque année, Dassault lui file un gros chèque. Quand je dis gros chèque, je parle en millions. Une page entière payée par Dassault. Et à la fête de l'humanité, la plus grande fête de France, il loue un stand gigantesque qui lui coûte les yeux de la tête. Vous connaissez beaucoup des ouvriers qui achètent des chasseurs-bombardiers? C'est tout simplement pour lui une manière de financer le Parti communiste. Et il finance d'autres partis? Oui, il arrose tous les grands partis politiques. Ça, c'est normal, comme chez nous. Mais pas le Parti communiste. Tu comprends? Petit, bon élève, école Breguet et la toute jeune école d'aéronautique. Coup de chance à la sortie de la guerre de 14. Pour la première fois, on se bat dans les airs. Putain, on a besoin d'avions. En 18, catastrophe, la paix. Terminé les avions de guerre et l'aviation civile, elle n'existe pas et personne n'y croit. Le père, médecin de quartier, bonne bourgeoisie, sans plus. En 19, il épouse Madeleine Minkes. La dot pas faramineuse. À ce jour, il ne l'a jamais trompé. À voir, à voir. J'en mets mes couilles à couper. Ah, eh bien, dans ces conditions-là. Il s'est bien planté, notre ami Bloch, en misant sur l'aviation.
Et pourtant, il va faire fortune dans les 10 ans à venir. Avec quoi? Avec le contraire de l'aviation. Un avion, c'est léger, c'est mobile, ça file dans le ciel. Le contraire, c'est quoi? Un immeuble. Des immeubles. Il achète à tour de bras dans la pierre parisienne. Le marché est déprimé. Il les a pour pas grand-chose et les revend le double, le triple. Ce type, il installe une fabrique de sable au Sahara. Il se démerde pour fourrer le sable au Chamelier. J'ai rendez-vous avec Monsieur Vallière. Oui, il vous attend. Je ne suis pas en retard. Si vous étiez en retard, il ne vous recevrait pas, monsieur. J'ai parlé à Marcel Dassault de votre souhait de tourner un portrait de lui. Il n'est pas contre. Il éprouve pour vous autres Américains une énorme sympathie. Bon, ben, bien sûr, il pose certaines conditions. On ne parle pas de sa vie familiale, ni de sa vie conjugale, bien sûr. On ne parle pas de politique. On parle pas du passé, le passé ça l'intéresse pas. On parle pas du présent non plus, c'est un homme qui projette toujours en l'avenir. Enfin, on ne parle pas de l'avenir, il est superstitieux, ça pourrait porter malheur. Voilà. Est-ce que vous voulez toujours faire ce portrait? Ah, Mathilde. Merci, Mathilde. Un drink? Merci. Voilà ce qu'on sortait dans les années 30. Moi, j'ai été embauché en 34. J'étais alors un tout jeune ingénieur, de l'archidromanie, appelé Grebelski. Mais plus tard, j'ai fait comme lui. J'ai changé de nom. Et vous êtes devenu son bras droit? Ah, c'est exact, oui. Voilà l'avion postal. C'est avec lui qu'on a gagné le concours. L'appareil d'évacuation sanitaire, c'est un très, très bon dingue, ça. Et enfin, le... Il est passé. Ah. L'avion colonial destiné à l'Empire. Voilà. Ah oui, à l'époque, on avait encore un empire. Un bel avion, non? Ça, il était à son affaire, Marcel Dassault. Enfin, c'est le bloc. Dessiner des avions, créer des avions, c'est véritablement sa passion. Asseyez-vous, je vous prie. Mais attention, on gagnait très bien notre vie. Le gouvernement payait d'importantes primes pour les prototypes. On avait des commandes. Les usines Bloch, les avions Bloch, ça existait, vraiment. Et puis ensuite, bon, 36, Front populaire. L'énorme secousse du Front populaire. Allez, c'est ça.
patron. Laissez passer. Non, je continue pas à travailler dans cette position. Je lâche pas. Là, elle est là. Et tant qu'on n'aura pas une réponse, on ne reprend pas le boulot. Où est le dru? Il dort, patron, il se repose. Vous vous foutez de moi? La CGT occupe mon usine et son délégué roupille. Où est-il? Il est dans votre bureau, patron. Un copain est parti le chercher, il est là. Alors, le dru, qu'est-ce que vous foutez? Bah, vous voyez, monsieur Bloch, on occupe. Ah, on occupe, on occupe. Faut s'occuper en travaillant. Ah, on a nos revendications, monsieur Bloch. Lesquelles? Les congés payés, déjà. Ah non! Voilà plus d'un an que je vous ai donné 8 jours de congés payés. Vous en connaissez d'autres patrons qui ont fait ça, non? Je suis le seul. C'est sûr, monsieur Bloch. Et maintenant, les députés ont voté 15 jours pour tout le monde. Ah, d'accord. Évidemment, 15 jours. Ah, non, monsieur Bloch. Comment? Ça suffit pas. Vous avez été un pionnier pour les congés payés. Faut continuer. Ça veut dire quoi, ça? 3 semaines. Ah non! Ce n'est pas possible! Bon, d'accord. 3 semaines, et maintenant au travail. Monsieur Bloch, voici les salaires. Quoi, les salaires? Vous gagnez plus que partout ailleurs. D'accord. Mais moins que ce qu'on va négocier. Quand je serai nationalisé, vous me regretterez, le dru. Mais non, monsieur Bloch. On va vous nationaliser, sûr et certain. Mais comme vous n'êtes pas un mauvais patron, on vous gardera comme directeur. Allez. Au travail. C'est bon, 3 semaines. Allez, tout le monde, oui. 3 semaines. Tout est réglé. Allez, voilà. Merci, voilà. Voilà. Allez, tout le monde au travail. Allez, dépêchez-vous. Il avait raison, le dru. On a été nationalisé, mais le patron est resté le patron. Tout de même, un coup dur, cette nationalisation. Je veux dire financièrement. Oh, détrompez-vous, mon ami. Ça n'a pas été une mauvaise affaire du tout. J'irai même plus loin, ça a été une très bonne affaire. On lui a payé ses usines une fortune. Comme à tous ses collègues avionneurs, d'ailleurs. Mais il a gardé l'essentiel, les bureaux d'études. Vous avez une petite amie? On m'a déjà offert des fleurs plus gracieusement. Je sors de Chevalier. Merci quand même. Et alors? Le portrait d'Assaut, il accepte? C'est dans la poche. Aucun problème. Il accepte l'interview à condition de rester muet. J'ai repéré la date à laquelle notre Lascar monte pour la première fois le bout de l'oreille. 1936. Le Front populaire. La guerre d'Espagne. Les troupes de Franco progressent. Les masses se mobilisent. Les paysans combattent avec les ouvriers. C'est une guerre, le dru. On ne gagne pas une guerre avec des slogans. Rien qu'en travaillant une demi-heure de plus par jour, on doit pouvoir sortir 10 à 12 avions par mois selon les modèles. C'est bien la première fois que vous me proposez de travailler plus, le dru. Ah, ne plaisantez pas, monsieur Bloch. Sinon, je vous fais payer le surplus en heure sup. Bonjour, monsieur. Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Bloch. Merci de me recevoir chez vous. Votre venue au ministère de l'Air ne serait pas restée inaperçue. Permettez-moi de vous présenter monsieur Le Dru, délégué CGT de mon usine de Courbevoie, monsieur Jean Moulin, directeur de cabinet de mon ami le ministre Pierre Cotte.
Bravo pour votre idée d'inviter André Malraux à parler de l'Espagne. Et il a fait un tabac. Whisky ? Volontiers. Peu de rhum ? On peut toujours goûter. Je vous pose la question sans embâche, monsieur Bloch. Vous êtes vraiment décidé à fournir des avions aux Républicains en lutte contre Franco ? Absolument. Vous savez que ce choix d'aider les Rouges, je mets des guillemets, ne sera pas compris par beaucoup de gens de votre milieu, voire de votre entourage. Il se trompe. Si Franco gagne, plus rien ne pourra arrêter Hitler et Mussolini. Il faut stopper Franco. Dernière chose encore, monsieur Bloch. Malgré la décision officielle de rester en dehors du conflit, nous allons fournir clandestinement aux Républicains des canons, des mitrailleuses, des fusils, des munitions. Pour tout cela, nous pouvons brouiller les pistes. Faire en sorte que l'origine reste plus ou moins opaque, mais les avions, impossible. Tout le monde verra que ce sont des avions Bloch qui arrivent en Espagne. C'est inévitable. Vous allez devenir la cible de l'extrême droite française. Ils vont se déchaîner contre vous. Cher monsieur, je vous propose d'examiner le plan de charge que nous avons préparé, monsieur Ledru et moi. Regardez ça. C'est fini, monsieur Bloch. Général, heureux de vous voir. Vous connaissez ces messieurs du ministère de l'air ? Je verrai le ministre Guy Lachambre immédiatement après cet essai. Il n'aura pas pour vous les complaisances de Pierre Cotte. C'est fini, le front poupu. Il vaudra mieux cette fois-ci que ça marche. Mon général, je l'ai dit 100 fois, je l'ai écrit dans je ne sais combien de notes, les moteurs ne sont pas assez puissants. Et les moteurs, ce n'est pas moi, c'est Gnome et Rhône. Gnome et Rhône, c'est Paul-Louis Weiler. On reste en famille. Mais non, pas du tout. Je n'ai aucun lien de parenté avec Weiler. Mon général, laissez-moi fabriquer les moteurs et je vous garantis qu'il n'y aura plus de problème.
Décidément, vous ne changerez donc jamais, vous autres, hein? Vous voulez tout vous accaparer. C'est insupportable. Vous ne devriez pas vous laisser insulter comme ça, patron. Alors calmez-vous, Vallière. Vous savez bien que je n'aime pas les affrontements, la violence. Il y a des limites, quand même. Allons, il ne faut pas te voir en noir. Je suis sûr que ces messieurs n'avaient absolument pas l'intention. Démarrez vite! Pour aller où? Mais là-bas, imbécile! La presse va encore parler de vos cercueils volants, Bloch. Le plus grave, ce n'est pas la presse. Le plus grave, c'est la guerre qui approche, et une aviation allemande qui surclasse la nôtre. Ils ont deux fois plus d'avions que nous, et leurs chasseurs sont bien meilleurs que les nôtres. Si par malheur nous devions être battus, il faudra pas aller chercher bien loin les responsables de la défaite. Les ingénieurs sont aussi bons que ceux d'Hitler. Les ouvriers sont meilleurs que les siens. Vous ne trouverez pas mieux dans le monde entier! La différence, c'est que Göring travaille depuis 6 ans à construire sa Luftwaffe. Nous, on s'y est collé l'année dernière, en 1938. Vous mettez en cause les responsables militaires et politiques de la France, monsieur Bloch? Je constate qu'il faut 2 ans pour sortir un prototype et encore 2 ans pour le fabriquer en série. Göring a choisi le Messerschmitt 109 comme chasseur de combat et le construit à la chaîne depuis 4 ans. Ce sont les autres qui ont tout faux, mais vous, Bloch, vous êtes irréprochable. Trop facile. Toute l'arrogance du peuple soi-disant élu. Bien sûr que j'ai commis des erreurs. On commet toujours des erreurs. Surtout quand on veut aller plus vite que la musique. Les miennes, je les assume. Vous voulez ma démission? Vous l'avez. Général? Il faut partir, Marcel. Je te répète que Pétain va signer l'armistice. Marcel, il faut filer. Mais pour aller où, vieux frère? À Londres, au Canada, aux États-Unis. Allons, Paul, les choses vont s'arranger. Je refuse de tout voir en noir. Marcel, songe aux enfants. Partons. Tu es française, je suis français, nos enfants sont français. Notre famille a choisi de conserver la nationalité française après 1870. Je reste. Non, non, merci, j'ai plus faim. Et toi, Paul? Moi? Je vais me battre, c'est mon métier, c'est mon devoir. Et l'armistice?
Oh, bah, ça, je m'en moque. De Gaulle est à Londres, il veut continuer le combat. De Gaulle? Oui, je lui ai envoyé un télégramme pour l'informer que je me plaçais sous son commandement. Un télégramme, c'est très imprudent. Hein. La police en aura connaissance. Je ne vais pas signer Bloc. Je vais signer Char d'Assaut. C-H-A-R-D-A-2-S-O. Il pigera tout de suite que c'est moi. On ira prendre notre linge sur la ligne Tigris pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Tigris, à nous le beau linge blanc. Les vieux mouchoirs et les chemises en pampan, en famille on lavera tout ça. On ira prendre notre linge sur la ligne Tigris, si on la trouve encore là. Quand tu seras installé dans le midi avec les enfants, je rejoindrai. Ne tarde pas trop, Marcel. Dans quelques semaines, je serai avec vous. Ce qui compte, c'est que vous soyez à l'abri. Tu ne jouerais pas un peu de Chopin? Ça, c'est envoyé. Nous clouons au pilori Bloc le vautour aux ailes brisées. Une telle crapule n'a même pas besoin d'un jugement. Il suffirait d'un poteau, d'un fossé et de 12 balles pour que justice soit faite. Est-ce si difficile à trouver? Par la guillotine, la corde ou le poteau exécuter Bloc, ou alors gare à la bombe. Rigole pas les patriotes du pilori. C'est pour ça que je les aime bien. T'es pas un marrant, toi. Bon, je vais pisser. Si vous voulez, je l'assomme, je le balance du train et on descend peinard à la prochaine gare. On se débrouille. On se débrouille toujours quand on a de l'argent. Non. Ce ne serait pas raisonnable. Vous avez plus d'expérience que moi, monsieur. J'espère que vous prenez la bonne décision. Mandel était juif. Mendès France était juif. Marcel Bloch d'Assaut était juif. Avec d'autres dirigeants de la Troisième République, on les a mis en avant. Il fallait montrer à l'opinion qu'ils étaient les principaux responsables de la défaite. Il ira donc en prison. Et Madeleine sera enfermée à Drancy.
Les Allemands le protègent. Il admire. You're kidding. Non, je suis sérieux. Les Allemands veulent à tout prix l'utiliser. Bloch est un grand de l'aviation. Hitler exige qu'il dirige son usine de fusées V1. Monsieur Bloch, acceptez-vous de collaborer avec nous sur notre programme aéronautique, oui ou non? Non. Réfléchissez bien aux conséquences d'un refus. Non, c'est non. Monsieur Bloch. Albert. Les Allemands viennent vous chercher. Ils arrivent. Où m'emmènent-ils? En Allemagne, monsieur Bloch. Mais dites-moi, vous faites un article sur mon frère ou sur moi? Sur les deux. Sur vous deux, mon général. Bon, alors à la Libération, dès que j'ai su que mon frère était vivant, je suis allé voir le général de Gaulle et je lui ai appris la nouvelle. Aussitôt, il m'a proposé son avion pour aller chercher Marcel. Mais figurez-vous que quand je l'ai découvert à Buchenwald, il pesait 35 kilos. Il avait les jambes paralysées. On va aller travailler maintenant. Merci. Alors, faut pas perdre de temps. Pierre Bénouville, dit Pierre Guillain de Bénouville. Perking Frenches.
ancien camelot du roi, c'est-à-dire royaliste, tendance dure. Proche de la cagoule, organisation terroriste d'extrême droite. Antisémite virulent. Voilà l'homme que Dassault, juif, rencontre à sa sortie de Buchenwald. C'est lui qui va devenir son homme de confiance. Il connaît tous ses secrets. C'est lui qui, par exemple, arrose tous les partis politiques sans exception. Un juif recrute un antisémite. Un ancien antisémite. Dis ça à ma mère. Un ancien antisémite, ça n'existe pas. N'oublie pas que Benouville a choisi la résistance et que c'est un compagnon de la libération. Exact. Dassault a changé de nom. Il va changer de religion. Précise. Marcel Dassault va se convertir avec Madeleine au catholicisme. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous avez une idée, je suis freneur. Je ne vous ai pas demandé de faire de la psychologie, encore moins de la psychanalyse. Je me fous que ce type soit israélite, catholique ou bouddhiste, qu'il s'appelle Dassault ou Dupont, je me fous de tout. Ce que je vous demande, c'est pourquoi il construit des avions meilleurs que les nôtres. Ça fait partie du problème. Avant et pendant la guerre, on l'a emmerdé parce qu'il était juif. Qui s'appelait Bloch. Ok, guys, je m'appelle Dassault et je suis papiste. Maintenant, foutez-moi la paix et laissez-moi construire mes avions. Pourquoi sont-ils meilleurs? Oui, Muriel? Parce que c'est un génie. C'est comme si vous nous demandiez pourquoi Mozart crée une musique meilleure que celle des autres. Parce que c'était un génie. Voilà. Marcel Dassault est le Mozart de l'aviation. Les enfants, soyez gentils. Vous me voyez dire au directeur, après 6 mois de travail et 1 million de dollars judicieusement dépensés, je suis en mesure de vous révéler que Marcel Dassault est le Mozart de l'aviation. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. L'eau de la rivière fleure la bruyère. Tu as bien réfléchi. Tous nos amis vont s'interroger. Comme d'habitude. Les gens vont jaser. Mais qu'ils jasent, Madeleine, qu'ils jasent. Nous n'avons jamais été pratiquants. Madeleine, j'étais juive de naissance, c'est tout. Je serai catholique par choix. C'est différent. Si tu ne veux pas... Mais je veux, Marcel. Est-ce qu'on va arrêter de m'embêter à la fin? Rosaneuf. Constantin Rosaneuf. Constantin avec un K. Mes amis m'appellent Costin. Le village que vous avez traversé à Budney, vous étiez à plus de 100 à l'heure. 130. Où est le problème? Le problème, c'est que le décret du 31 décembre 1900... Arrêtez vos bêtises. Costin a le grade de colonel dans l'armée de l'air française et il est chef pilote d'essai chez Dassault. Vous aimez les vitesses, les gars? Pélo!
flotte, Liberta. À cheval. Bon papier, mon colonel. Merci. Vos gens avaient été magnifiques. Et votre Rosanoff est un as. 18 mois pour passer de la planche à dessin au prototype. On peut encore faire mieux, monsieur le ministre, et on le fera. Vous avez grillé toute la concurrence. Votre ouragan va équiper la chasse française. Dites-moi, quel est votre secret? Oh, il n'y a pas de secret, monsieur le ministre. Je choisis les meilleurs et je leur donne envie de travailler ensemble. Ma maison est une maison heureuse, où le travail se fait joyeusement. Vraiment. Martin, dites au ministre quelle a été votre vie depuis 18 mois. Martin est notre chef mécanicien. On n'a pas vu passer le temps. On a travaillé le jour, souvent la nuit, tous les samedis, tous les dimanches. C'est dur. C'est beau. On a sorti l'avion. Vous allez donner du tintouin à nos amis américains. Ah, chacun ses méthodes, monsieur le ministre. Tiens, chez Lockheed, ils travaillent en ce moment sur un prototype. Ils ont mis 435 ingénieurs dessus. Nous, on a sorti l'ouragan avec quoi ? 50, hein, et 55 dessinateurs, et quoi ? 95 ouvriers spécialisés, je crois. Et comment s'appellera votre prochain avion ? Mystère. Ah, vous ne voulez pas le dire ? Je viens de le faire, monsieur le ministre. Mystère. Drôle de nom. Le docteur Mystère, c'était un livre de Paul Divois qui m'a emballé quand j'étais enfant. Je ne l'ai jamais oublié. Inventer un avion, c'est raconter une histoire. Voici le Dassault Mystère 4A, qui au nom du colonel Rosanoff effectua son premier vol le 28 septembre 1952, équipé de deux canons de 30 et d'un réacteur hispano-suisapté. Avec sa dérive plus fine et plus allongée, ses ailes à forte flèche et son fuselage plus ovoïde, il diffère sensiblement de l'ouragan. Ses performances lui permettent de franchir le mur du son deux fois de suite au cours d'un même vol. Il est alors le plus rapide des avions de chasse français. Par la suite, cette cellule est équipée d'un réacteur plus puissant, l'hispano-suisse à Verdon de 3... Eh oui, avec cet avion, Dassault est entré dans la légende. Gros succès, grosse commande. 225 Mystère 4, rien que pour l'armée française. Et qui paye ? Nous, les Américains. C'est l'OTAN qui passe la commande et qui file les avions à la France. Eh oui, mon vieux, c'est encore ce putain de plan Marshall. Sa fortune est assurée. De l'argent Yankee pour financer les cocos. Et puis, c'est pas fini. L'Inde achète 110 avions Mystère. Et puis Israël, 61, et puis d'autres. À l'exportation, il est très bon. La réalité, c'est qu'ils produisent plus vite et moins cher que nous. Ce sont de vrais concurrents. Ces avions sont rapides, maniables, et ce qui ne gâte rien, ils sont très beaux. Thank you.
Si tu n'avais pas eu la malchance de me rencontrer, tu aurais fait une belle carrière. J'ai fait mieux qu'une carrière, j'ai fait une vie. Madeleine, pardonne-moi. Je crois que je vais te demander un nouveau sacrifice. Oui. J'aime trop t'écouter jouer, j'y passe des heures. Deux imaginaires se heurtent, le tien l'emporte. Mon travail en souffre. Tu ne me demandes pas de renoncer au piano. Bien, Marcel, je ne jouerai plus quand tu seras à la maison. S'il est encore là, je te supplierai de jouer. Plus de piano. Chevalier, oui. Comment expliquez-vous le succès international des avions d'assaut? Alors, en fait, après que le Mystère 4 a franchi le mur du son, l'OTAN commande 225 chasseurs pour l'armée française. Cette commande déclenche... Et ici, les nouvelles ailettes du compresseur dans un beau matériau. Mm-hmm. Et ça, c'est une nouvelle prise d'air additionnelle. Est-ce que ça va? Très bien. Vous voulez que je la refasse? Merci. Il est trop près, beaucoup trop près d'altimètre, on a l'air de pousser. Bonjour. Bonjour. Messieurs. Monsieur Valier. Hey. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, patron. Non, voilà. C'est parti, vous. Le problème, c'est que si on améliore la force d'attaque, il va falloir compenser sur l'arrière. Donne-moi une feuille vierge. Ça devrait ressembler à ça. C'est bien, on est dans les délais. Raison de plus pour accélérer. Vous m'appelez si vous avez un pépin. De toute façon, j'en reviens mardi. Au revoir à tous. Au revoir, monsieur. Je vais venir. J'arrive. Thank you.
Tant pis pour le film, tu es en train de prendre mal. C'est insupportable, cette perte de temps. Tu sais ce que je vais faire? Un jour, j'achèterai un cinéma sur les Champs-Élysées. On aura toujours nos places réservées. Marcel, on aurait téléphoné, ils nous auraient gardé deux places. Attends. Tu sais ce qu'on projettera dans notre cinéma? Des films que je produirai moi-même. Comme ça, on risquera pas d'être déçus. J'écrirai les scénarios. J'ai toujours eu envie d'écrire des scénarios. Ça suffit, tu frissonnes au ventre. Tu n'as pas peur d'en faire un peu trop? Les avions, la presse, la politique, maintenant le cinéma, ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais non, tout ça se tient. Pour faire des films, j'ai besoin d'argent. Pour avoir de l'argent, je dois vendre des avions. Pour vendre des avions, il me faut des commandes publiques. Pour avoir des commandes publiques, il me faut des amis dans tous les partis. Pour avoir ces amis, il faut que je fasse de la politique. Pour réussir en politique, il me faut un journal. Tu vois, tout se tient. Et moi alors, je suis quoi dans tout ça? Toi, tu es tout. L'essentiel. À la maison, Jacques. Bénouville, je ne comprends pas. Pourquoi tant de place pour Gérard Philippe? Ben, c'était quand même Gérard Philippe. Et il est mort. Mais justement, monsieur, les femmes l'adoraient. Il laisse un grand vide et toute la presse évoque sa disparition. Toute la presse, je m'en fiche. Nous sommes l'hebdomadaire de l'actualité heureuse. C'est notre slogan. Vous trouvez que la mort fait partie de l'actualité heureuse? Vous êtes morbide. Ah non, je ne veux pas de mort dans mon journal. Mettez plutôt des photos de Brigitte Bardot. Elle est vivante. Bon, les enfants, on va faire plaisir à monsieur Dassault et faire un numéro qui apporte du bonheur dans les chaumières. Merci. C'est bien. Merci, monsieur Dassault. Je suis content de votre travail. Continuez comme ça. Merci. Et n'oubliez pas que les gens ont envie d'être heureux. La vie est assez difficile comme ça. Il faut les faire rêver. C'est très bien. La jeunesse, c'est l'avenir, c'est l'optimisme, hein. C'est la gaieté. Messieurs. Antoine rentre de Calcutta. Il nous rapporte un reportage photo exceptionnel. Hein. Une plongée dans l'humain. N'envoyez pas vos gens dans des coins pareils. Ils vont apporter plein de microbes. Et maintenant, mon horoscope. Lion, amour. Tout semble vous sourire, mais attention à ne pas trop papillonner. Attendez. Tout semble vous sourire, votre charme est à son zénith. Travail. L'effort sera toujours payant. Santé. Une légère fatigue en début de semaine, prenez des vitamines. Vierge. Amour. Avec ou sans un grand A, il sera au rendez-vous. Travail. Vos difficultés sont réelles, mais passagères. Gardez confiance. Je ne crois pas vous connaître, mademoiselle. Êtes-vous nouvelle? Absolument. Une convention entre votre journal et le New York Herald Tribune. Américaine? Tout à fait. 3 mois de contrat, le temps de perfectionner mon français. Eh bien, sachez, mademoiselle, que quand on travaille pour moi, on ne porte pas de pantalon. Non, c'est très laid. Les jambes des femmes n'ont pas été créées pour ressembler à celles des hommes. Des robes, des jupes, ce qui vous chante. Mais pas de pantalon. Bon, reprenons. Santé. Prenez garde aux rafraîchissements brutaux. Mais pourquoi un journal? Pourquoi ce journal?
C'est difficile à dire. Tu sais, il y a toujours l'explication de Mike ou de Frank. Je ne sais plus. Voilà, il change de nom et devient catholique. Donc on le laisse tranquille. Le monde politique lui a mené la vie dure avant la guerre, il devient député. La presse a essayé de lui faire la peau, il devient patron de presse. Mais ça, là, l'hebdo de l'actualité heureuse. Il n'y a rien de politique là-dedans, ce n'est pas un journal, c'est du vent. Tu te trompes. Tout le monde veut être en photo dans son journal. C'est un vrai pouvoir. On le trouve dans toutes les salles d'attente des médecins, des dentistes et des notaires de France. Il le leur envoie gratuitement. Je me tue à vous le répéter, il y a des jardiniers qui ont la main verte, lui, il a la main dorée. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et il ne s'intéresse pas aux ventes, l'argent n'est pas son moteur. Vous imaginez le patron de Boeing ou de Lockheed perdant son temps à des conneries pareilles? Les actionnaires auraient tôt fait de les virer. Dassault est actionnaire majoritaire, chez lui. Il fait ce qu'il veut. Au fond, ce type a toujours fait ce qu'il voulait. Oui, et ce qu'il veut, c'est s'amuser. Vous voulez savoir ce que je crois, moi? Que ce gars-là est un môme. Un môme qui vend des chasseurs bombardiers. Un môme, je vous le répète, qui file de l'argent au coco. Ah. Ça frôle l'obsession. Ouais, et il va continuer à s'amuser. Il se lance dans le cinéma. Le cinéma? Là, il risque de perdre sa culotte. Non seulement il ne perdra pas sa culotte, mais en plus, il va se faire des couilles en or. Producteur? Oui, producteur, scénariste. Et pourquoi pas acteur? Franck, à propos de cinéma. Guys. Allez, allez. Il n'y a aucune honte à vouloir être heureux. C'est cela, la grande ambition de mon existence. Être heureux et donner aux autres un maximum de bonheur. Et le bonheur passe par la construction d'avions de guerre? Ne soyez pas insolent, jeune homme. J'ai toujours poursuivi mon rêve. Et mon rêve a été de construire des avions. Il se trouve que ces avions servent à la défense de la France. Devrais-je être mécontent de contribuer à la protection de mon pays? Devrais-je regretter d'être un bon patriote? Ce n'est pas vous autres Américains qui m'en ferez le procès. Bon, s'il vous plaît. N'ayez aucune crainte, ce sont des Américains. Il faudrait un film sur moi-là. Frank, tu crois vraiment qu'il a été dupe? Ce type est un vrai naïf. Et en même temps, c'est un vrai cynique. Monsieur le sous-préfet, mon petit doigt m'a dit que le ministre pensait à vous pour une très belle préfecture. Oh, monsieur Dassault. Il m'a fait l'amitié de me demander mon avis. Oh, monsieur Dassault. Alors, monsieur le maire, des soucis, comme d'habitude. Oh, c'est ma piscine, monsieur Dassault. Le projet de piscine municipale. On va compléter, bien sûr. Vous notez, Bénouville. Et puis non, faites tout de suite un chèque à monsieur le maire. Voilà, le problème est réglé. Monsieur le curé, tout va bien? Moi, ça va. C'est mon clocher qui m'a plu. Ah, les clochers de France. Il faut les préserver à tout prix. C'est l'âme du pays. Voyez avec Bénouville. Dieu vous le rendra, monsieur Dassault. Ça, je ne suis pas sûr qu'il en ait les moyens. Je suis obligé de filer, les amis. Un rendez-vous, une réunion dans le canton voisin. Je compte sur vous, hein. Merci, monsieur Dassault. Je compte sur vous. Venez, Bénouville. C'est bon, ça. Oui. C'est combien? Oui, je comprends. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bagnard. Il ne devrait pas tarder. Ah bah justement, le voilà qui arrive. Je vous le passe. C'est monsieur Bagnard. Oui. Donc la grève continue. Mais Bagnard, vous avez raison de ne pas payer les jours de grève. Est-ce que je dis le contraire? Simplement, c'est embêtant cette grève. Vous êtes bien d'accord? Faites pour le mieux, Vallière. Vous savez que je vous fais entièrement confiance. C'est ça. Bon, convoquez-moi ce garçon de la CGT. Bien, monsieur. Il a raison, monsieur Vallière. Il a tout à fait raison. Je l'approuve à 100%. Il faut quand même être logique. Mon vieux, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé.
Et c'est Monsieur Vallière qui nous a obligés à faire grève. Comment ça? D'abord en refusant nos justes revendications. Et comme il les a finalement acceptées, c'est bien la preuve que nous avions raison. C'est donc lui le responsable de la grève. Il doit payer. J'ai un petit peu de mal à vous suivre, là. Je m'explique mal, excusez-moi. Mais ce que je vous dis, tout le monde le pense, monsieur. Et sauf monsieur Vallière. C'est le PDG du groupe Dassault. C'est bien là le problème. Cette grève, ça suffit. Il faut que les usines tournent. Alors voilà. Vos jours de grève, je m'en vais vous les payer. Mais sur ma cassette personnelle. C'est un arrangement entre nous. On n'a pas besoin de crier sur les toits. Vous avez ma parole, monsieur Dassault. Bien. Oui. De la DST veut que nous passions le voir. Général, ce badge vous permettra de circuler dans les zones visiteurs et uniquement dans les zones visiteurs. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ces saneries? Il se croit dans un film d'espionnage? Allez, Marcel. Ma question est simple. Que voulez-vous que je fasse de ces types? Mais ce que vous voulez, je m'en fiche complètement. Ce qui m'ennuie, c'est de perdre mon temps. Tu es certain de tes informations? Bien sûr. À expulser. Surtout pas de procès à discrétion absolue. Un procès serait désastreux pour les Américains, naturellement, mais pour nous aussi. Pour nous? Dites-moi que vous plaisantez, Pierre. Vous ne manquez pas d'ennemis. Même mes pires ennemis ne sont pas assez cons pour penser que je suis un agent soviétique. Vous lui avez demandé ses preuves à votre espion américain? Vous savez, monsieur, dans notre métier, on a rarement la chance de disposer de preuves. Les Américains travaillent sur des profils, nous aussi d'ailleurs. Et il faut bien reconnaître que votre profil... Ne vous méprenez pas, Où est-il, votre crétin? Je veux le voir. J'exige de... le voir. Il est parfait, votre profil, hein? Enfin, je veux dire, mon profil. Et je ne renie rien, absolument rien. Bien au contraire. Oui, j'ai soutenu le Front Populaire. Normal, à l'époque, j'avais dans ma poche une carte de membre du Parti Radical. Et les radicaux faisaient partie du Front Populaire. Et oui, j'ai été proche de Pierre Cotte, ministre de l'Air. Un homme remarquable, un grand patriote, un ami. Vous affirmez avoir la preuve qu'il a été recruté par le KGB pendant la guerre. Mais bizarrement, cette preuve doit rester secrète. Nous ne vivons pas dans le même monde, monsieur. Moi, je donne la preuve que mes avions peuvent voler en les faisant décoller. Oui, j'ai fourni des avions de combat aux républicains espagnols parce que je souhaitais leur victoire, la victoire contre le fascisme. Mon seul regret, c'est de n'avoir pas pu leur en fournir davantage. Eh oui, vous ne comprendrez jamais le lien qui me lie à mes collaborateurs. Mais nous vivons, on y va. Ces bêtises nous ont déjà fait perdre beaucoup de temps. Monsieur le directeur. Vos rapports avec le Parti communiste? Vos largesses financières, je constate que vous faites l'impasse. J'ai passé 8 mois à Buchenwald. J'aurais dû mourir 10 fois, 20 fois.
Chaque fois, la main des communistes français m'a escamoté, souvenez de la mort. Et je devrais l'avoir oublié. Quand on a traversé l'enfer ensemble, la fraternité, ça n'existe pas. Quand des camarades de misère vous ont 10 fois, 20 fois sauvé la vie, la gratitude, ça n'existe pas. Monsieur! Allez ouvrir à madame. Oui, monsieur. Oh ah Marcel Madeleine Marcel non. Au secours Marcel Marcel Au secours Au secours Le ministre d'or. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller, monsieur. Qui je suis? Je suis Marcel Dassault. Non, ne lui demandez pas de me rappeler. Dites-lui que je reste en ligne. Et vous me le passez. Allez dans l'autre chambre. Appelez le docteur Marshall sur l'autre ligne. Monsieur. Dites-lui de venir. Très bien. Roger, c'est Marcel. Ils ont enlevé Madeleine. Ils ont enlevé ma femme. Il faut la retrouver à tout prix. Merci. Non, monsieur. Ah, mon petit frère. Quelle histoire. Mais quelle histoire. Fais-moi le point. Où en sommes-nous? J'ai le ministre au téléphone. Il m'a assuré que tous les policiers et gendarmes de France allaient être mobilisés pour retrouver Madeleine. Ah, les flics, il y en a une bonne dizaine devant chez toi. Mais c'est pas ici qu'ils vont la trouver. Qu'est-ce qu'ils font, alors? Mais j'en sais rien, moi, ils sont à quatre pattes. Je suppose qu'ils cherchent des indices. Tu comprends, Paul Darius, moi, je ne peux pas vivre sans Madeleine. Marcel. Oh. Vous inquiétez pas. On va vous la retrouver. Bonsoir. Bonsoir. Une demande de rançon? Rien encore. Ça ne devrait pas tarder. A priori, je pencherai plutôt du côté des politiques. Des politiques? Ah. Les anciens de l'OS, par exemple. Je peux téléphoner? Non, allez à côté. Je garde cette ligne ouverte pour le ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'ils font, place Beauvau? C'est Benouville, passe-moi ton chef. Ils ont activé tous leurs informateurs dans le milieu. François, les balances, comme ils disent. C'est pourquoi je t'appelle. Voilà. Et Dassault? Non, lui, je pense pas. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Attends. Je comprends. Il y a du nouveau dans le bureau de Marcel. Bon, et du côté des gendarmes, ça se remue, oui? Dites à leur général de m'appeler. Je vous remercie. Ils ont retrouvé la voiture des ravisseurs garée dans une rue de Paris. C'est bon signe parce que cela signifie ou bien qu'ils séquestrent Madeleine dans Paris, ou bien qu'ils l'emmenaient pas très loin. À moins qu'ils n'aient changé de voiture.
Les Français sont bouleversés. Madeleine Dassault, femme du célèbre avionneur, a donc été enlevée. L'enlèvement mobilise l'opinion publique. La famille ne communique pas, mais on sait, de sources sûres, que M. Marcel Dassault, frappé lors de l'enlèvement, est mobilisé jour et nuit pour la libération de son épouse. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, un pneumatique. Merci. C'est la demande de rançon. Combien ? 4 millions de francs. Hein ? S'agissant de votre femme, Marcel, c'est presque désobligeant. C'est des petits escrocs sans envergure, ça. Il y a un petit mot de Madeleine. Je suis bien traité. Madame ? Madame ? Je suis Madeleine Dassault. Tu as eu peur ? Non, pas vraiment. C'était des pieds nickelés. Moi, j'ai eu peur. Je sais, c'est ce qui m'inquiétait le plus. J'ai pensé, si tu veux reprendre le piano. Ah non, si tu ne peux plus dessiner tes avions, tu vas devenir insupportable. Non, non. Messieurs, ce que vous allez voir est top secret. Nos amis israéliens nous ont transmis ces films. Les mirages et les mystères ont fait du 100%. Je n'aime pas trop tout ça. À
Attention, la concurrence va nous en vouloir. Attention. Restons modestes. C'est trop de publicité. Avions totalement liquidé les avions soviétiques. Ni l'Égypte, ni la Jordanie, ni la Syrie n'ont plus un zing en état de voler. Franchement, Harry, c'est impressionnant. Les avions d'assaut plus les pilotes israéliens. C'est incroyable. C'est souvent comme ça que se finissent les plus belles histoires. C'est dégueulasse. D'autant qu'il n'a pas fini de nous emmerder, le vieux Dassault. Il ne manquerait plus qu'il se lance aussi dans l'aviation d'affaires. Home sweet home. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, aient été restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. N'en vienne, une fois qu'il serait rassemblé dans le site de son ancienne grandeur, n'en vienne à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles. L'an prochain à Jérusalem. Ça, c'est non. Nous continuerons à livrer à Tel Aviv toutes les pièces détachées pour leurs avions. Attention, mon petit Marcel, tu vas t'appeler Grand Charles, c'est pas rien. Ce serait peut-être mieux de réfléchir un petit peu à tout ça. C'est fait, Pierre, on livre. J'ai décidé. Occupez-vous de tout. T'es sûrement Marcel. Je n'ai pas peur. Ça me rajeunit. Et ça m'appelle 1936. Quand j'ai livré des avions aux républicains espagnols. Venez, je vous raccompagne. Les avions de guerre, c'est indispensable. Mais il faut changer. Pierre, il faut songer à l'aviation civile. Si, si. L'aviation d'affaires. Demain, les chefs d'entreprise se déplaceront avec leurs propres avions. Il y aura trop de monde dans les aéroports. Mais je le sais, Marcel. Vous le dites à tout le monde. Un petit bimoteur, fin, 6 places, 8 peut-être, 4000 km d'autonomie. Oh, mon Dieu, Marcel, mais c'est magnifique. Oh. Oh, oh, oh. Moi qui pensais que c'était du flan. Ah, c'est beau. Et si c'est beau, ça vole bien. Merci pour ce merveilleux Venise-Paris. Moins de 3 heures. Ça va marcher, tu crois, Marcel? Les Américains sont intéressés. Il vaut mieux qu'ils achètent nos avions plutôt qu'ils nous espionnent. Si les gens savaient à quel point tu détestes prendre l'avion. Ha 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 ha